était un test de mathématiques qui aurait zéro pour ne pas avoir su calculer l'identité remarquable que je suis. Mon envie de me soustraire à ce monde demeure proportionnelle à ma faculté de multiplier les échecs. Et je ne m'excuse pas si je ne te calcule pas. Moi, si je suis nul en maths, c'est que je n'ai jamais compté pour personne. Arpentant les rues, je croisais la petite fille aux allumettes, mais la trouvant trop froide me dit que ce n'était pas la peine. N'y a-t-il que dans les crématoriums qu'on trouve de la chaleur humaine? Tu es un train, puisque depuis tout petit pot, t'es sur des rails. D'une école privée au scout, du scout à l'église, de l'église à la prépa, de la prépa, je sais d'HEC à ce poste de PDG. Attention, prochain arrêt en gare de la normativité. Et puis quoi? Tu es un mec sympa qui passe ses vacances à la boule parce que c'est sympa, avec des gens sympas dans une maison sympa. En short et en polo, les pieds nus dans tes bateaux, un pull noué autour du cou, cela te donne un style sympa. Que dirais-tu si demain je venais défoncer ta famille, tous les tiens dans ma main, ton verre de golf préféré, ma chemise rose ensanglantée, de ta fille, de ta femme, de ton chien, de ton père, de ta maîtresse, de ta mère, elle sèche ses larmes, je ne vais pas vraiment le faire. Tu te demandes pourquoi, mais cela ne serait pas très sympa. Si nous allons à la piscine, fais-moi penser à t'acheter des bouées. Tu ne t'es jamais mouillé, donc j'en déduis que tu ne sais pas nager. Aujourd'hui tu viens de t'acheter un nouveau canapé. Il te plaît? Ça va? J'espère que tu es bien assis. C'est quand même le minimum lorsqu'on est le spectateur de sa propre vie. Et s'il t'arrive de croiser Alice, Agnès ou Cassandra, rappelle-leur que leur nom rime avec syphilis, herpès et sida. Cette fille, comment la décrire? Elle est comme un petit papillon volant majestueusement dans un jardin où toutes tes fleurs auraient été remplacées par des pénis. Officiellement rattaché à l'un, cela n'empêche pas de se poser sur d'autres, de se faire surprendre et d'avouer avoir fait peut-être une petite bêtise. Lorsque ce genre de fille se fait malheureusement engrosser, il arrive qu'elle donne naissance à un enfant de sexe féminin. Voilà la manière dont les salopes se reproduisent. Dans 20 ans tu ne seras plus qu'une pute sur le retour, et j'espère bien que quelqu'un aura l'idée de te crever en chemin. Dans la vie seul le contexte semble compter. Ainsi un type assis sur un banc, les cheveux longs et sales, mal habillé, vomissant de l'alcool et sans nul doute un SDF un petit peu éméché. Dans une soirée un type les cheveux longs et sales, mal habillé, affalé sur une banquette, vomissant de l'alcool est un branché. Et dis à ta petite amie que ce n'est pas la peine qu'elle porte des moon boots, des collants roses, une jupe à fleurs et un blouson Prada. Elle ferait mieux de se balader avec une pancarte sur laquelle elle aurait inscrit: je vous en prie, s'il vous plaît, regardez-moi. Ce que les médecins nous cachent, c'est que nos cœurs sont pleins de vide. Surtout ne nous appelons pas frères, cela augmenterait les fratricides. Et les historiens se trompent, cherchent des causes compliquées aux guerres, alors que depuis nos balbutiements, il n'y a que des batailles d'égo. Certes, nous pouvons l'inscrire dans des chartes ou des conventions, pourtant je n'ai pas l'impression que nous voulions tous être égaux. J'ai trouvé comment être l'homme le plus riche de toute l'humanité. Il suffit que j'invente faire et repasser les égaux froissés, tels des toupies maléfiques, le destin des êtres humains est de tourner. Tout le monde a son ticket pour le manège des vanités.